L'entrepreneuriat, c'est un sport d'équipe. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de manuel d'instruction pour trouver les bons coéquipiers. Un coup que tu as trouvé une bonne personne, c'est un truc. Un coup que tu as identifié qui était potentiellement intéressante puis que tu avais du plaisir avec cette personne-là, ça, c'est un truc. Mais après, c'est de les convaincre qu'ils ne seront pas payés puis qu'il faut qu'ils viennent travailler avec toi dans ton salon. Il n'y a pas de succès en affaires qui soit fait seul. Et tous les entrepreneurs qui prétendent détenir la vérité sont souvent ceux qui vont commettre les plus graves erreurs. Je m'appelle Carl Rétineau-Paraselli et vous écoutez le Mid Startup, le balado qui vous emmène dans les coulisses du monde de l'entrepreneuriat. Depuis le début de la série, nous suivons pas à pas le parcours de Simon Bédard, le cofondateur de Clinia.ca. Dans le premier épisode, Simon vous racontait comment le départ de ses premiers cofondateurs a fait déraper sa jeune entreprise. Pour se relancer dans la bonne voie, il a donc dû se mettre à la recherche de nouveaux partenaires qui croient en son projet. Dans l'épisode d'aujourd'hui, la périlleuse recherche de l'équipe, ou comment trouver la perle rare en sortant des sentiers battus. Moi, c'était fondamental. Il fallait que je trouve un cofondateur ou d'autres gens qui voulaient travailler avec moi puis qui croyaient en ce projet-là. Puis je m'y suis pris de la façon suivante. J'ai été dans des meet-ups de développeurs. J'ai été dans des soirées où les développeurs se rencontrent pour parler de différentes technologies, etc. Je vais aller voir là si je pourrais pas discuter avec des gens comme ça. Puis à ma grande surprise, chaque fois que j'ai fait ces événements-là durant les 3-4 mois suivant la séparation, eh bien, j'étais toujours le seul non-tech qui allait dans ces événements-là. Et donc, j'avais une très grande écoute des développeurs qui étaient là. Je pouvais leur parler de mes projets. Puis, malgré que ce n'était pas ce qu'il y avait de plus technologique, là, on n'essaie pas d'inventer un drone ou quoi que ce soit, il y avait un intérêt pour ces gens-là qui sont peut-être des fois moins extravertis de pouvoir s'associer avec quelqu'un qui avait cet intérêt de faire le travail qu'eux ne voulaient pas nécessairement faire. Pendant quelques mois, Simon court donc les événements qui rassemblent des développeurs. À chaque fois, il débarque un peu comme un extraterrestre sur une nouvelle planète. Comme lorsqu'il s'est présenté à La Ronde, à Montréal. Il y avait loin un espace, il y avait des jeux de volleyball, puis j'étais arrivé là en vélo, puis j'avais aucune idée. J'ai été me présenter aux gens là-bas, mais vraiment, je sentais que j'étais pas à ma place, mais il y avait des gens, juste pour remettre en perspective, là, mais qui sont en train, dans ce groupe-là, de développer un autre algorithme de recherche pour réinventer Google, si on veut. Donc, il y avait des gens qui avaient des ambitions extrêmement avancées, alors que moi, j'arrivais avec mon répertoire médical, et les conversations étaient assez intéressantes. En plus des événements et du réseautage, Simon publie des annonces sur Internet. Entrepreneur cherche développeur. Et ça marche. Il reçoit plusieurs CV provenant des quatre coins du Québec, mais puisqu'il ne veut pas se tromper une deuxième fois, il prend quelques précautions. C'est qu'à la base, tu sais pas nécessairement qu'est-ce que tu recherches, ou en tout cas, je veux pas généraliser, mais pour moi, c'était, j'étais en train de chercher des gens en tech alors que j'avais jamais fait de projet tech, donc n'importe qui pour moi qui avait l'air de connaître ça ou qui avait l'air d'être un peu plus aiguisé que les autres, ben je me disais, ben ça doit être la bonne personne. Puis ce que j'ai fait pour pas me faire avoir, c'est que j'ai été voir des gens qui avaient des postes de CTO dans des entreprises montréalaises, puis je leur ai demandé de passer en entrevue les gens que j'avais identifiés comme étant pertinents. J'avais aussi comme ambition d'avoir des gens avec qui j'allais pouvoir avoir du plaisir à tous les jours. Et donc, j'ai fait des activités, j'étais prendre des bières avec ces gens-là, j'étais faire des trucs qui étaient un peu à l'extérieur de la job en soi qui avait besoin d'être accompli, dans le but de pouvoir vraiment recruter les bonnes personnes. Puis ça, t'sais, un coup que tu as trouvé une bonne personne, c'est un truc. Un coup que tu as identifié qui était potentiellement intéressante puis que tu avais du plaisir avec cette personne-là, ça, c'est un truc. Mais après, c'est de les convaincre qui ne seront pas payés, puis qu'il faut qu'ils viennent travailler avec toi dans ton salon. T'sais. Donc, il y a cette portion-là que même si tu as tout bien fait, ça peut ne jamais fonctionner à l'étape 2, si on veut. Après avoir terminé ses recherches, Simon sélectionne finalement 4 ou 5 candidats intéressants et il décide de les soumettre au test ultime. Il inscrit une équipe dans un Startup Weekend, une fin de semaine intensive au cours de laquelle les participants doivent développer un projet d'entreprise en l'espace de seulement 2 jours. Le but de cette inscription-là, c'était de valider. De mon côté, moi, j'ai jamais travaillé avec personne en tech, nécessairement. Encore moins des gens avec qui, là, dans ce cas-ci, j'allais travailler à temps plein avec eux. Je me cherchais des cofondateurs, si on veut. Et donc, je voulais m'assurer qu'on puisse bien travailler ensemble et que ces développeurs-là puissent bien travailler eux ensemble aussi.
Donc, en nous inscrivant à cet événement-là, bien, en 48 heures, il y a quand même pas mal de pression. Tu dois présenter un projet après 48 heures. Et donc, j'ai rapidement réalisé lesquels pouvaient bien travailler ensemble, avec lesquels je pouvais bien interagir. Puis, le lundi matin, bien, j'ai fait une offre où j'ai présenté à deux d'entre eux la possibilité de se joindre au projet. Puis, ils ont accepté automatiquement. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler sur le projet-là. Avant de se mettre au travail, il faut parler d'argent. Mais quand on a une entreprise naissante qui n'en fait pas encore, comment est-ce qu'on paie ses partenaires? En action? Avec la promesse d'un salaire futur? Tu peux devenir extrêmement créatif dans la façon de recruter des gens lorsque, en termes d'action, mais en termes de plein d'autres bénéfices que tu peux donner. Puis là, ben, c'est d'aller sur des sites internet, de dire « je ne suis pas le seul là, qui a décidé de se partir une entreprise dans le monde sans argent ». Donc, tu lis des blogs, tu lis des articles, des études de cas, tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs. Puis là, ben, tu commences à te faire une idée de « bon, ben, si les gens sont vraiment intéressés, si tu crois vraiment au concept, ils devraient accepter tel paramètre ». Puis c'est un peu cette optique-là que j'ai fait ou que j'ai commencé. Je leur ai fait une proposition. Il y avait beaucoup de chiffres. Ils comprenaient peut-être un peu moins les chiffres ou c'était peut-être moins clair. Je me comprenais peut-être même pas moi non plus au début. Donc l'idée, c'était de commencer à jouer un peu ce jeu-là de négociation. Aujourd'hui, à revoir le processus, je pense qu'il a été bien fait ou je pense qu'on s'en est bien sorti tout le monde là-dedans, mais c'est un apprentissage. Il n'y a pas de livre qui dit pour recruter un développeur qui sort de l'école, fait tel truc. Donc il faut l'inventer et il faut être créatif, là. Simon est donc parvenu à la trouver, son équipe de rêve. Et quand il regarde derrière lui, il ne voit pas que du négatif, au contraire. La problématique que j'ai rencontrée, qui était la séparation de l'équipe, les difficultés que j'ai eues avec l'agence initialement, là, ça a été extrêmement difficile, mais je pense que ça a été la chose la plus formatrice dans le but de ne pas refaire ces erreurs-là, de deux, de m'assurer que de bâtir une équipe qui allait pouvoir affronter les problématiques qu'on allait rencontrer. T'as bien beau avoir le plus d'argent possible, t'as bien beau avoir la meilleure idée, la réalité, c'est qu'à tous les jours, c'est des gens qui exécutent puis qui pensent à faire développer une entreprise. Et pour moi, depuis le début ou depuis le 2.0, ça a été de dire, bon, mais je vais me bâtir une équipe très, très solide. Puis je suis très convaincu que chacune des personnes qui est autour de la table ou qui travaille sur le projet sont les meilleures personnes pour être dans ce poste-là aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si Simon a dû déployer autant d'efforts pour trouver la bonne équipe. Selon Luc Giguère, le responsable du programme Accélération au Centec, il s'agit d'une des étapes les plus importantes dans la vie d'une jeune entreprise. Il y a un dicton qui est assez courant, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une équipe A avec un produit B qu'une équipe B avec un produit A, parce qu'effectivement, l'équipe A va toujours pouvoir être capable de s'adapter. L'autre chose aussi, c'est que l'entrepreneur, d'une certaine manière, il y a tellement de choses, il y a tellement de secteurs à couvrir que l'entrepreneur, lui, au centre, il est l'incompétent en chef. Donc, il doit nécessairement d'aller s'entourer de dizaines, de douzaines, de vingtaines d'experts dans divers domaines, soit à l'interne de l'entreprise, donc l'équipe core, mais aussi à l'externe, d'aller chercher des gens, soit des consultants, mais aussi de construire naturellement son comité aviseur au départ, puis ensuite nécessairement son conseil d'administration, qui vont l'aider à résoudre des problèmes qu'eux ont déjà eus. Parce que les produits sont nouveaux, les technologies sont nouvelles, les problèmes usuels dans une entreprise sont sensiblement presque toujours les mêmes. En général, c'est des problèmes d'humain à humain. Selon le fondateur de Netlift, Marc-Antoine Ducas, il faut surtout arrêter de penser qu'on peut et qu'on sait tout faire soi-même. Il n'y a pas de succès en affaires qui soit fait seul et tous les entrepreneurs qui prétendent détenir la vérité sont souvent ceux qui vont commettre les plus graves erreurs. L'autre chose, c'est que comme individu, même si on est pas mal brillant, on est incapable de tout faire. Très rapidement, il faut qu'on soit capable, surtout, et c'est ça le plus grand défi, de s'entourer de gens qui ne sont pas comme nous. Première compagnie que j'ai fondée, on était 6 ingénieurs informatiques. C'était une mauvaise idée, dans le sens où ça a pris du temps avant d'être capable d'avoir du succès, parce que quand on faisait nos meetings, on est tombé rapidement d'accord sur des choses à faire, mais on était unanimes, mais on avait tous tort. Puis, il a fallu, moi, que je prenne un petit peu un coup de force puis d'essayer d'imposer l'idée qu'on aille chercher à l'extérieur des gens qui n'étaient pas comme nous. Puis là, je ne vous cache pas les discussions amusantes qu'on a pu avoir entre des gens, entre guillemets, des hautes études commerciales ou des gens de marketing, des gens de finance qui challengeaient des ingénieurs. Et puis l'ingénieur, par définition, a la vérité, la science infuse. Il y avait beaucoup des fois de craques puis de mépris. Donc, apprendre à une équipe à écouter des gens, c'était pas facile, là. Ça a été un super beau challenge. On a fini par passer au travers, mais ça a coûté beaucoup d'orteils écrasés, cet élément-là. Béatrice Couture, directrice générale d'Innocité Montréal. Les investisseurs avec lesquels je travaille aiment beaucoup mieux investir dans un entrepreneur qui a son deux ou trois cofondateurs que dans une entreprise avec un seul
fondateur et actionnaire. Pourquoi? Parce que c'est très, très, très difficile. C'est vraiment rare qu'une seule et même personne a toutes les capacités. Souvent, on voit une équipe de fondateurs, il y a quelqu'un qui est plus business, plus commercial, puis l'autre personne est beaucoup plus technique là, dans un contexte technologique. Puis ça, je vous dirais que c'est souvent des matchs gagnants. Là. Le hic, c'est qu'il n'y a pas de recette secrète pour trouver ce match parfait, explique Noah Redler, en charge du programme Propulsion au Centech. Il n'y a pas une bonne réponse de comment aller trouver un cofondateur. C'est parce que c'est vraiment, il faut penser, c'est quelqu'un qui va être lié à nous par un contrat. C'est un mariage entre plusieurs personnes, souvent, c'est un peu polygame. Mais à la fin de la journée, c'est des gens avec qui on va passer 12 heures par jour. On va avoir un contrat qui nous attache. On doit passer beaucoup de temps ensemble. Il y a beaucoup de stress qu'on va vivre ensemble. Alors, vraiment, le meilleur conseil pour aller chercher des cofondateurs, c'est de vraiment voir ça comme un mariage, aller commencer de faire du dating avec des gens et voir où il y a un bon fit. La directrice générale de la fondation Montréal Inc., Liette Lamonde, donne l'exemple de la cofondatrice de l'entreprise EO, Émilie Nollet, qui a bien compris qu'on ne choisit pas son partenaire d'affaires après une seule soirée autour d'une bière. Elle a dit, c'est comme un couple. Tu vas pas te marier parce que tu viens de rencontrer quelqu'un la veille. Il faut que tu te fréquentes puis que tu vois si tu vas être capable de passer à travers les difficultés de la vie ensemble. Et elle, c'est vraiment l'approche qu'elle a prise. La personne qui est devenue son cofondateur, c'est quelqu'un qu'elle a fréquenté pendant un bout de temps dans toutes sortes de situations différentes. Poser plein de questions pour voir est-ce qu'il y a les mêmes valeurs que moi, est-ce qu'il y a la même vision que moi de où je veux m'en aller avec ce projet-là, et est-ce que ça, je pense que ça va nous permettre, est-ce qu'on a la capacité de communiquer ensemble pour arriver à prendre les bonnes décisions ensemble, puis faire face à tout ce qui va nous arriver jour après jour, parce que quand on se lance en affaires, à chaque fois qu'il nous arrive un problème ou un défi, on n'a pas la réponse. Il n'y en a pas de réponse toute faite. On est en train d'inventer quelque chose de complètement nouveau. C'est la beauté de l'affaire, mais c'est aussi la difficulté de la chose. À la suite du dernier épisode sur le choix du nom d'une entreprise, j'ai reçu le témoignage de Marie-Pierre Hébert, qui a fondé l'an dernier l'entreprise de gardienne sur demande KID, qui s'écrit avec deux I. Sur le logo, on voit que les deux I symbolisent la gardienne et l'enfant. Mais quand les clients potentiels cherchent l'entreprise sur le web, Mme Hébert admet que ça peut devenir plus compliqué. Ça peut être un défi des fois parce que les gens, quand ils s'en parlent de bouche à oreille, ils vont dire « Ah oui, tu regarderas KID », puis là, les gens, ils vont taper KID, K-I-D, et ils ne nous trouvent pas. Donc oui, des fois, c'est un défi. C'est pour ça qu'on essaye partout des KID dans nos publicités. On dit toujours « KID » avec deux « i ». Quand je fais des entrevues aussi, je dis toujours « KID » avec deux « i ». Mais c'est un défi. Dans le prochain épisode du Mid Startup, gros plan sur les concours de pitch. Ces compétitions prestigieuses qui peuvent vous rapporter gros ou vous faire perdre votre temps. Si t'es pas pris dans ces concours-là, c'est pas parce que ton histoire est pas bonne, c'est pas parce que ton projet est pas ambitieux, c'est pas parce que t'es pas bon en tant qu'entrepreneur, c'est... Des fois, c'est politique. C'est sûr que des émissions, tu sais, comme les dragons, comme des démodés comme on fait, mais c'est pas la réalité, là, c'est un show. Après ça, là, t'es dans ton sous-sol, puis il faut que tu parles aux investisseurs, puis il faut que tu le fasses ton pitch dans une salle de conférence, puis il faut que t'en closes des deals. Si la formation de votre équipe de rêve a viré au cauchemar, je veux le savoir. Vous pouvez m'écrire à startup@commercialledevoir.com ou me trouver sur Twitter à Carl R. Parazelli. Je m'appelle Carl Ritino Parazelli. On se retrouve la semaine prochaine.